Après la polémique de la boîte de nuit, Pierre Palmade est-il au cœur d'un nouveau scandale? Une vidéo relayée sur la toile agite actuellement les internautes. Une nouvelle sortie polémique? En effet, on y découvre un homme qui serait Pierre Palmade s'adresser à un automobiliste. « Je ne peux pas, je suis désolé, je travaille », lui lance ce dernier. Qu'a bien pu lui demander son interlocuteur? Difficile de le savoir. En effet, celui-ci semble être ivre. Il n'est visiblement pas dans son état normal. Selon plusieurs internautes, cette vidéo aurait été tournée ce mercredi 28 juin 2023, en matinée, à Bordeaux. Mais qu'en est-il vraiment? S'agit-il d'une ancienne vidéo? D'un montage? Impossible de le savoir. Pour le moment, l'entourage de Pierre Palmade ne s'est pas exprimé sur cette nouvelle vidéo qui choque la toile. D'autres vidéos ont également été dévoilées sur Instagram où on pourrait voir un individu qui serait là aussi Pierre Palmade, dans les rues de Bordeaux. Si l'authenticité de ces vidéos n'ont pas été prouvées, ces images font couler beaucoup d'encre sur la toile. Pierre Palmade, ce qu'il aurait déclaré sur sa sortie en boîte de nuit il y a quelques jours, des vidéos de Pierre Palmade en boîte de nuit ont circulé sur la toile. De quoi là encore indigner les internautes puisque ces images auraient été filmées dans la nuit du 24 au 25 juin 2023. Alors que son contrôle judiciaire a été allégé, l'humoriste se serait confié auprès de ses proches sur cette sortie polémique. C'est ce que rapporte le magazine Paris Match dans son dernier numéro, en vente dans les kiosques depuis ce jeudi 29 juin 2023. Il aurait ainsi voulu décompresser après ses 4 mois d'enfer. Un proche confie, il est allé faire un tour en boîte de nuit pour simplement danser. Pour rappel, Pierre Palmade a provoqué un terrible accident de la route le 10 février dernier, alors qu'il conduisait sous l'emprise de la drogue. Le véhicule conduit par l'humoriste a percuté celui d'une famille qui a vu sa vie brisée suite à cet accident. S'il a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire sous l'emprise de stupéfiants, le comédien a toutefois échappé à la prison.